Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur 01 TV comme chaque jeudi soir. C'est parti pour 01 Live Hebdo, le numéro 103 les amis, et nous sommes en direct de Roland Garros et on est ravis de vous retrouver. Avec au menu de ce 01 Live, un sujet que vous connaissez par cœur, c'est la réalité virtuelle. La réalité virtuelle a fait son apparition à Roland Garros, on va en parler dans un instant avec notre invité. Imaginez aussi pouvoir analyser les flux de personnes dans un endroit particulier, par exemple ici à Roland-Garros. C'est ce que fait Orange aujourd'hui avec les cartes SIM qu'on a dans notre téléphone. On en parle aussi dans un instant avec un responsable d'Orange. Et puis nous irons du côté de Taïwan, donc à quelques milliers de kilomètres d'ici, au Computex, un grand rendez-vous dédié à l'informatique. Émeric Siméon vient de rentrer de ce Computex et il sera avec nous pour nous parler de toutes ces nouveautés, Jérôme. Oui, et sans oublier la question 01net Orange du jour. Pensez-vous que la réalité virtuelle est l'avenir des retransmissions sportives? On va en parler dans un instant, mais d'ores et déjà, vous pouvez nous donner votre avis. Vous allez sur www.01nettv.com et vous votez, on fera le point dans un instant. On est en direct, vous le savez, donc vous pouvez à tout moment réagir sur le Twitter. Hashtag 01live, hashtag 01live sur Twitter. Vous nous laissez votre question, vous réagissez à l'actu. On lit tout ça en temps réel. Soyez les bienvenus. Mais avant cela, vous le savez, Roland Garros, cette année, c'est un petit peu tristouille parce qu'il pleut et ça fait deux jours qu'il n'y a pas de match, en fait. Sauf que dans 01 Live Hebdo, vous allez découvrir une rencontre tout à fait extraordinaire qui est en train de se jouer en ce moment même. Alors, nous avons face à face, François. Quel grand joueur, mais quel revers, les amis. Il est formidable, ce François Sorel. Il est extraordinaire. Mais t'as vu un peu le smash. J'ai gagné. Je t'ai gagné, Jérôme, parce que j'ai été plus fort que toi. Voilà, la détente aussi, je fais ce que je peux. Mais t'es pas mal quand même, hein? Ouais. Et t'es hyper rapide quand même. On s'en sort plutôt bien. Je trouve qu'on s'en sort plutôt bien, surtout qu'on était assis confortablement sur notre canapé pour jouer à cette partie. En fait, plus précisément, on s'est fait complètement avatariser. On s'est fait avatariser dans la première borne publique d'avatarisation humaine. Alors regardez, ça fait pas mal, hein. Vous rentrez dans une espèce de borne de science-fiction, vous ressortez normalement. Et là, je m'étais fait complètement scanner le visage et tout le corps. Ah oui, Jérôme, c'est ça qui est incroyable. La tête aux pieds, même les mains. Toi aussi, alors, tu y es droit. Une fois qu'on a un petit avatar en 3D, on fait ce qu'on veut. On peut faire des animations comme ça, sous forme de match de tennis. Il y a aussi, je crois qu'on va te voir danser la salsa sur la plage. Ça fait jaser sur Twitter, les amis. Et alors ça, c'est déjà là, culte. On te voit faire quand même. Regardez-moi ça. Là, on s'est chauffé. Là, c'est pas la salsa, c'est un peu du street dance, je pense. Ouais. Voilà. Hop là, toi aussi, là, t'es pas mal du tout. Mais vous avez vu, c'est quand même assez réaliste, hein, franchement. Alors, on a beaucoup travaillé pour ce 01 Live. Voilà, là aussi. Bon, on n'est pas. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas du tout ridicule. Mais ça nous a fait beaucoup rire ici. Et on a posté ça sur. Enfin, moi, j'ai posté ça sur mon Twitter et ça a fait énormément réagir. C'est dingue, c'est très rigolo. Tu es magnifique. Là, vous voyez, regardez, je danse la salsa, c'est pas mal. On te verra après, Jérôme. James Bond en vacances. Bon, voilà. Alors, donc, c'est une start-up nantaise qui fait ça, qui s'appelle Silk. Avec deux K. Et vous pourrez retrouver cette borne d'avatarisation pour vous faire avatariser vous aussi, très certainement, sur différents événements. Ils seront à Futur en scène, à Paris prochainement, et puis on les verra sans doute dans d'autres villes de France. Mais l'idée, c'est qu'après, on retrouve ces espèces de bornes un peu comme des photomatons dans des grandes surfaces, etc., pour que tu puisses te faire avatariser et insérer ton avatar dans n'importe quel jeu. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est très sympa. La réalité virtuelle, on en parle tout de suite avec notre invité. Et avant toute chose, François, on va remercier... Oui. Ah bah oui. France Télévisions qui nous accueille. Je pense que tu peux, oui. France Télé qui nous accueille ici même dans son espace réservé au sein du RG Lab. Alors le RG Lab, c'est à l'intérieur du village de Roland-Garros. C'est un espace où tous les ans, il y a des innovations qui sont présentées. Et France Télévisions a l'amabilité de nous recevoir pour ce live. Et comme chaque année d'ailleurs, Bernard Fontaine, qui est un petit peu le patron de tout ça, s'occupe de nous et nous accueille avec beaucoup de gentillesse. Bonsoir Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Et merci encore pour l'accueil. Et bravo pour vos pas de danse, franchement. On a beaucoup répété. Alors, on a essayé de trouver des archives en train de justement de te voir faire tout ça, mais on n'a pas trouvé. J'ai pas encore eu le temps d'être avatarisé. Bernard, l'une des grosses tendances de ce Roland-Garros, c'est la réalité virtuelle. Hein. Alors voilà, depuis des mois, on en parle sur 01net TV. On a vu que c'était une grosse tendance au CES, au Mobile World Congress. Hein, avec Jérôme, on a vu des trucs incroyables. Parce qu'il faut rappeler, François, pardon, je te coupe, mais pourquoi France Télévisions, pourquoi Roland-Garros? Parce qu'en fait, vous êtes là depuis toujours et vous profitez de cet événement sportif pour tester toutes les technologies qui aujourd'hui sont rentrées dans notre quotidien. Donc c'est là qu'on a essayé la HD, la Full HD, la 3D, etc. Donc forcément, cette année,
Eh bien, c'est la réalité virtuelle. C'est ça, exactement. C'est à chaque année ou chaque décennie, parce que c'est vrai que depuis des années, on fait beaucoup de choses ici. On veut tester les choses. On ne veut pas n'avoir qu'un avis sur des technologies. On veut les tester. On veut aussi échanger et partager avec notre public. Une autre vertu de ce lieu pendant une quinzaine, c'est d'échanger. Parce que c'est ouvert au public. Hein. Bien entendu, on échange avec le public et on parle. On échange et on espère au bout d'une quinzaine de jours avoir les réactions un peu plus éclairées, des réactions du public, est-ce qu'ils aiment ou pas. Et cette réalité virtuelle, en tout cas, qui est au cœur de nos démonstrations pendant cette quinzaine. Alors comment ça marche, Bernard ? C'est quoi la réalité virtuelle ? Comment vous appréhendez cette technologie ici ? Alors c'est une technologie qui commence à grandir. On l'avait testée un petit peu l'année dernière. Et cette année, on utilise enfin des caméras qui sont des caméras professionnelles, elles aussi 4K. Mmh. Et on essaye de faire en sorte de les mettre en diffusion et surtout en direct. Et en direct, c'est compliqué. Donc il y en a combien ? Il y en a... Aujourd'hui, on a deux caméras. On a installé deux caméras qui sont faites en France, faites par une start-up. On travaille également beaucoup avec les start-up. Elle s'appelle Video Stitch. Et c'est français, très talentueux. D'ailleurs, on présentait cette caméra récemment aux États-Unis. Mm-hmm. On l'aperçoit là. Donc elle est sur la chaise de l'arbitre. Voilà, c'est une caméra qui mesure à peu près 10 cm3. Elle est toute petite. Elle est reliée par un câble à un réseau informatique. Et ensuite, dans notre zone télé, là où sont installés nos moyens techniques, eh bien, on va envoyer ces contenus sur les réseaux numériques. Alors, ça part sur les applications. On a développé une application que tout le monde peut télécharger sur iOS, sur Android, et même pour les europossesseurs de casques Samsung, Oculus, Gear VR. Qu'est-ce que c'est tous ces câbles nous qui sommes geeks, ça nous met en transe. Et ils servent tous. Vous en débranchez un, il n'y a rien qui fonctionne. Qui sert à rien. Il y a des câbles, des fibres optiques, il y a plein de choses. Ça part chez YouTube, ça part aux États-Unis, ça part partout. D'accord. Et c'est également ce qu'on a voulu faire, avoir une expérience qui soit totale. Donc sur on télécharge l'appli RG360 et on peut voir. Alors ça, ce sont des images virtuelles. Oui. Ça c'est pas un vrai terrain. C'est pas un vrai match. Ça c'est des images virtuelles. Avec l'application, on peut voir. On est assis vraiment à la place de l'arbitre, une place dont on rêverait les passionnés de tennis aimeraient s'asseoir là où l'arbitre s'assoit, bien entendu. Et on assiste à ce match en direct, ou bien si on ne peut pas s'en servir au bureau ou de cette petite application, eh bien, on peut très bien le soir retrouver tous ces programmes en replay et retrouver les grands moments de ces journées de tennis. D'accord. En réalité virtuelle avec ces fameuses caméras. Alors on les a essayées avec, avec le masque de Samsung ici. Alors c'est bien parce qu'on est au cœur de l'action, mais du coup on s'aperçoit à quel point un arbitre a besoin de faire des mouvements de tête. Oui, c'est vrai, on est tout le temps comme ça, donc c'est un petit peu fatigant. Alors, il faut être aussi très honnête, la qualité n'est pas topissime. Mais ça, c'est tout le problème de la vidéo 360 aujourd'hui. Complètement. On n'a pas assez de pixels. Voilà. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, on travaille, et dans l'état de l'art aujourd'hui 2016, tout le monde aimerait aller un peu plus vite que la musique sur ce sujet-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Une image en 4K, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais en gros, elle est composée de 8 millions de pixels, comme en télévision. Sur un téléviseur, on en parlera peut-être tout à l'heure de la 4K, eh bien, les 8 millions de pixels s'affichent sur votre télé. En réalité virtuelle, c'est pareil, mais beaucoup plus subtil. D'ailleurs, cette image-là, elle est déployée autour de votre tête virtuellement. Ouais. Imaginez une sphère qui roule votre tête. C'est-à-dire qu'on a le même nombre de pixels, alors qu'en fait, l'image fait tout le tour de la tête. Exactement. Et donc, elle est moins bien définie, forcément. Exactement. Ce que vous regardez avec vos yeux, dans l'angle dans lequel vous regardez le programme, c'est en gros 20% de l'image. Oui, c'est qu'une petite partie de l'image qui est zoomée grâce aux lentilles. C'est en gros 20% de l'image. Et cette image-là, bien sûr, puisqu'elle est incomplète, eh bien, elle est moins bonne qu'une image 4K vue sur un téléviseur, ce qui s'explique, c'est ce qui est tout à fait normal. Alors, il y a le problème de la captation, il y a le problème aussi de la restitution, parce que les écrans aujourd'hui qu'on a, ils ne sont pas 4K, on perd encore en définition, ce qui fait que parfois, bon, c'est vrai que c'est pas hyper défini. Alors, on aura des bonnes surprises l'année prochaine. Les fabricants de téléphones vont sortir certainement des dalles 4K. Des dalles 4K, mais d'ailleurs, Sony a sorti un téléphone avec une dalle 4K. Justement, pour cette réalité virtuelle, faire en sorte que la qualité de ces dalles de téléphone s'améliore et permettre cette expérience clairement qualitative. Alors, l'année prochaine. Bernard Fontaine, la question, c'est notre question du jour. Est-ce qu'on peut imaginer, malgré tout, faire des retransmissions entières de matchs comme ça, avec qu'on regarderait dans un masque de réalité virtuelle ? Est-ce qu'il y aurait vraiment un intérêt pour le spectateur ? Alors aujourd'hui, c'est ce que l'on fait. Aujourd'hui, on diffuse l'intégralité, des journées complètes de tennis de 11h le matin à 20h ou 21h le soir. L'intégralité des compétitions ici sont retransmises en réalité virtuelle. Et les gens utilisent, s'ils le souhaitent, pendant une après-midi complète ou quelques minutes, s'ils le souhaitent également, ce qui est plutôt le cas. C'est plus aujourd'hui, naturellement, s'échangent le casque, partagent, sont surpris de voir justement
cette façon d'être téléporté, d'être transporté dans le stade est assez surprenante et cet effet waouh, naturellement, il existe. Bien sûr. Donc, hashtag 01Live si vous voulez réagir. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de personnes ici qui rentrent, qui testent. Voilà, c'est ouvert au public. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent un peu tester toutes ces nouvelles techno. C'est amusant. On peut dire qu'il y a plein d'autres innovations. Oui. On ne peut pas parler de tout, mais voyez les écrans qui sont derrière nous. À chaque fois, ce sont des expériences que vous menez à France Télévisions ou bien que des start-up sont en train de préparer. Donc, il y a plein de choses, effectivement. Il y a tout un bouillonnement, hein, comme tous les ans. On prépare et on présente ici, justement, ce que sera de l'avenir de la télévision. La télévision de demain. Les avatars, on plaisantait en début d'émission sur les avatars. Naturellement, les avatars, pour nous, ont une logique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Mark Zuckerberg. Donc Zuckerberg parle de ça et il souhaiterait, bien sûr, dans le futur, faire en sorte, il vise ça vers 2024-2025, faire en sorte que les réseaux sociaux puisse échanger sur les réseaux sociaux avec ses amis, les voir sur ces fameux casques et d'échanger. Jérôme et François, vous pourriez vous voir virtuellement, peut-être en 2025, sur votre compte Facebook avec ses avatars. Et... Simplement, il faut des équipements pour le faire et on a la chance que cette start-up française ait relu ce challenge d'être capable de faire un avatar humain d'une façon très très simple. Bernard, autre expérimentation. Alors cette fois-ci, ce n'est pas la première année que la 4K est représentée ici. Depuis 4 ans, vous filmez des matchs en 4K qui sont retransmis en TNT à Paris en ultra haute définition. Hein. C'est quelque chose d'incroyable hein, sur la TNT. Donc si on a une antenne et un téléviseur compatible, on peut avoir des matchs en 4K, ça c'est top. Mais la nouveauté, c'est que vous testez une technologie qui a aussi commencé à être mise en avant au CES, c'est le HDR. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte à une transmission d'un match de tennis? Alors effectivement, depuis 4 ans, on teste ici à Roland-Garros la 4K. L'an passé, on diffusait en 4K sur la TNT. Donc TDF diffuse actuellement avec un émetteur qui est placé sur la tour Eiffel et qui cible la population équipée d'antennes râteaux sur le toit et naturellement deux téléviseurs 4K. Évidemment, ça marchera toujours la haute transmission sur la tour Eiffel, ne sera pas inondé tout de suite. Non, ça marche. L'émetteur est en haut. À 300 mètres de haut, l'émetteur marche bien. Voilà, on n'aura pas de soucis. Tout le monde n'habite pas Paris. Non. Naturellement, on a pensé au public français qui habite ailleurs que Paris et on a confié le soin à Eutelsat, par son bouquet français, de distribuer gratuitement à tout le monde, avec une petite parabole, un téléviseur, vous pouvez capter ce programme-là pendant cette semaine. Il faut avoir le décodeur compatible. Donc qu'est-ce qu'il faut alors? Non, simplement un téléviseur. Les téléviseurs aujourd'hui, on en a 4 sous les yeux. Décode le satellite aussi. Pratiquement tous les téléviseurs 4K aujourd'hui ont une entrée directement satellite, une petite carte de contrôle d'accès que Françat fournit, et vous pouvez regarder les programmes en direct, bien sûr, pendant cette semaine de retransmission en 4K. On le redit, il faut un téléviseur 4K HDR. Alors, oui et non. Pourquoi? Parce que il faut un téléviseur 4K. J'aime bien cette réponse. Oui. Alors, il faut bien sûr un téléviseur 4K. C'est un prérequis, bien entendu. Par contre, avoir un téléviseur 4K HDR, les derniers modèles sont tous HDR. Simplement petit bémol. Sauf que vous avez la chance de voir ces téléviseurs ici autour de nous. Ces téléviseurs-là sont des premiers, non pas des prototypes, ce sont vraiment des produits catalogues que vous pouvez acheter dans la grande distribution, mais la mise à jour nécessaire pour recevoir ces programmes simplement sur l'entrée antenne, elle nous a été apportée religieusement sur un petit coussin en velours. Sur un petit coussin en velours, en disant voilà la clé USB magique qui va permettre d'activer l'entrée 4K HDR sur les téléviseurs pour découvrir les vertus de ce HDR. Donc alors, ça marche. Pour répondre à la question de François, est-ce que ça apporte quelque chose vraiment? Est-ce que ça apporte quelque chose? C'est Bernard, sincèrement, attention. Ça doit à vous. Apporter une qualité des couleurs, une qualité de la retransmission au-delà de la définition, la 4K. C'est plus de pixels et plus de netteté d'image. Cette fois-ci, on va donner encore plus de valeur à la qualité colorimétrique de l'image et à donner une qualité à cette image largement supérieure. Alors, on n'a pas de chance aujourd'hui parce que le temps est très très mauvais et donc l'effet HDR est moins bon qu'en plein soleil. Mais croyez-moi, si ce week-end il fait beau, l'effet HDR, je vous invite à venir ici, vous verrez qu'il est magnifique. Très bien. Il faut du beau temps pour bénéficier du HDR. C'est vrai. Vos caméras sont étanches à France Télévisions, il n'y a pas de souci en ce moment. Tout va bien. Elles ont des petits imperméables, des petits kawaii. Elles marchent super avec leurs petits kawaii. Il n'y a rien à filmer, mais elles marchent. C'est vrai que cette année, c'est un peu violent hein, quand même, Roland-Garros. Hein. En termes de... Écoutez, moi, ça fait plus de 16 ans que je viens à Roland-Garros et tous les ans, on a le droit à des averses pas possibles. C'est vrai que cette année, on est bien gâtés. On a eu d'autres sessions qui étaient un petit peu difficiles. Cette année, c'est vrai que la météo n'était pas au rendez-vous. En tout cas, Roland-Garros se passe super bien. Merci beaucoup. Oui. De rien, merci. Merci de nous avoir accueillis ici, Bernard. C'est très sympa. Voilà, ce petit studio improvisé grâce à France Télévisions qu'on remercie chaleureusement encore une fois. On continue, on va parler de technologie, bien entendu, et de technologie à Roland-Garros avec... Ne bouge pas, Bernard. On va faire ça tranquillement dans un instant. Tu vois, on a tout prévu, on est au top. Avec notre nouvel invité, Michel Ondet de Orange, qui nous rejoint tout de suite.
Bon, alors, maintenant que vous êtes briefé sur ce qui se fait de mieux en matière d'image à Roland-Garros, réalité virtuelle 4K, on va parler maintenant, Jérôme, de cartes SIM et de Big Data. Oui, sujet hyper intéressant, vous allez voir. Et nous accueillons donc non pas Michel, pardon, toutes mes excuses, mais Olivier Ondet. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur stratégie et marketing chez Orange Application for Business. Alors c'est vrai que Roland-Garros, si vous êtes déjà venu, vous le savez, sinon vous le devinez peut-être, il y a les courtes et puis tout autour est ce qu'on appelle le village. Il y a Exactement. Beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs. Bien sûr. Et il y a des foules et les foules, ça se gère. Tout à fait. Et donc, pour gérer les foules, pour savoir où les gens préfèrent aller, à quel moment de la journée, etc., chez Orange, vous avez inventé, j'ai envie de dire, un truc assez astucieux. Vous les suivez, tout simplement, grâce à leur téléphone mobile. Et ça s'appelle Fluvision. Alors, ça s'appelle Fluvision, effectivement. Et c'est un système, en fait, qui utilise comme données primaires, comme données brutes, le fait que tous les téléphones mobiles sont forcément accrochés à une antenne, hein, depuis 25 ans, depuis que ça fonctionne, parce qu'il faut bien, quand on veut vous appeler, que l'antenne sache où vous appelez. Et on a effectivement, nos chercheurs ont mis au point des algorithmes qui traitent cette donnée, qui enlèvent dedans tout ce qui est personnel, pour ne plus garder que des agrégats, pour à la fin être capable de produire de l'information statistique et anonymisée. Oui, c'est la question qu'on allait vous poser. Est-ce que c'est anonymisé ? Parce que moi, j'aimerais bien suivre Jérôme à la trace. Alors, c'est pas la loi française. Si on regarde que des matchs féminins, par exemple, ou s'il est quand même intéressé par des doubles masculins. Moi, je suis plutôt à la buvette, si tu veux. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut lui demander. Pour savoir. Pour pouvoir faire ça, il faut lui demander son consentement. C'est ce qu'impose la loi, c'est ce qu'impose le bon sens. D'accord. Fluvision, c'est pas du tout ça. Fluvision, ça anonymise les données en masse. Alors, quand je dis en masse, hein, aujourd'hui avec Fluvision, on traite plus de 50 millions de données par minute. Ouais, donc ça fait du monde quand même. On anonymise tout ça. C'est du big data. Et c'est du big et fast data, tout à fait, en temps réel. Et en l'occurrence, pour Roland-Garros, ici, comme en plus nous avons déployé un dispositif spécial pour que les télécoms fonctionnent bien, avec 50 antennes mobiles supplémentaires, avec du Wi-Fi, enfin tout un tas de choses, évidemment, pour que les usagers soient en plein confort, ça nous permet de faire du micro-zoning, donc d'être capable d'analyser le nombre de personnes qui vont être sur le cours central, qui vont être sur le cours numéro 1, qui vont être à l'entrée porte d'Auteuil, et puis d'analyser ces déplacements au fil de la journée de façon assez précise, même de pouvoir analyser le nombre d'hommes, de femmes, la tranche d'âge, tout ça de façon anonymisée. Et comment vous savez ça? Ah bah c'est possible. Avec en gros. Oui, parce que ta carte SIM, elle t'appartient, donc on sait plein de choses. Alors sur toi. La carte SIM, elle vous appartient. Bien entendu, il y a un nom, prénom associé à ça. Le système va simplement compter, bâtonner. Homme, femme, il ne sait pas qui. D'accord. Un peu comme quand. Scanner Jérôme Colombin, il va voir que bon, voilà, Jérôme Colombin, homme, etc., tel âge, patati patata. Ouais. Anonymiser tout ça et partir dans un flux de données. C'est ça. Et donc les algorithmes ont été exposés, montrés à la CNIL, hein, au régulateur qui nous protège, nous, dans notre vie privée. La CNIL a trouvé ça plutôt bien et l'a labellisé, ce qui fait que d'ailleurs que maintenant nous sommes en train de le déployer dans d'autres pays. Mais moi j'ai une petite question, ça sert à quoi, Olivier? Alors ça permet à nos clients, puisque nous sommes Orange dans ce cas-là, c'est nous travaillons avec Roland-Garros, alors ça leur permet de comprendre comment se déplacent les populations, ça leur permet du coup de mieux aménager l'infrastructure, de mieux comprendre ce qui se passe pendant les pluies exceptionnelles, de comparer d'une année sur l'autre. Alors c'est des choses qu'on a fait par exemple pour le départ de la route du Rhum, pour l'arrivée de l'Alpe d'Huez au Tour de France il y a 2 ans, ce qui leur permet de savoir qu'il y a un tiers de régionaux de l'étape au sens de d'Isérois qui sont venus voir l'événement, beaucoup de gens qui se sont déplacés sur la journée puis qui sont repartis, des certain nombre de gens qui ont dormi sur place, donc ça leur permet de mesurer les retombées économiques et d'améliorer leur politique. Voilà, après il y a beaucoup de sports, on a équipé le Stade des Lumières aussi de Lyon dans et le ça foot. Ça a un sens toujours dans des endroits où il y a beaucoup de monde, hein, ah bah, tous les événements. Alors ça a aussi un sens dans les endroits où il va y avoir moins de monde mais sur une plus longue durée. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, près de Marseille, on analyse sur plusieurs mois les flux touristiques pendant l'année. Donc ça permet de savoir combien il va y avoir de Hollandais, d'Anglais, tel Parce jour, est-ce qu'ils vont dans l'arrière-pays. Vous connaissez la nationalité en fait, de toutes les cartes SIM qui se baladent. Alors, la source primaire, elle est comme ça. Et puis quand on anonymise toutes ces informations, on n'a plus qu'un résultat statistique, mais qui est souvent très utile pour des gens qui n'auraient pas eu l'information autrement. Super. Très bien, merci très beaucoup bien. Olivier. Merci beaucoup. La question 01net Orange du jour, la réalité virtuelle est-elle selon vous l'avenir des retransmissions sportives? Vous pouvez voter, alors là vous avez voté, mais alors vraiment à 50-50 pile poil. Eh bien dites-moi. 50% d'entre vous. On n'est pas avancé, hein. Ouais.
Il va falloir revoter, hein, parce qu'il faut trouver un gagnant. Bah, ben, cela dit, c'est un message. On voit qu'il y a pas mal de gens qui sont, enfin, en tout cas, ouais, une personne sur deux, intéressés par la retransmission d'événements sportifs en réalité virtuelle. Pour l'avoir testé, c'est sympa, mais quelques minutes encore une fois. Après, au bout d'un moment, hein, exactement. On a envie de retrouver la bonne vieille télé. Bon. N'hésitez pas à voter encore toujours nos questions Zéronet Orange sur www.zeronet.com. Zéro en live hebdo chaque semaine, c'est bien évidemment le focus sur les nouveautés high-tech avec les spécialistes du labo. Et aujourd'hui, nous partons à Taïwan. Restez avec nous. Et oui. Voilà, toujours à Roland-Garros, depuis le RG Lab, sur Zéronet TV, en direct, il est 18h20, et on accueille maintenant Jérôme, quelqu'un qui, à qui on ne voit pas du tout le jet lag sur son visage. Oui, parce pas du tout. Pas du tout. J'ai dit on part à Taïwan, en fait c'est Taïwan qui vient à nous. C'est ça qui est fort. C'est Aymeric Siméon qui rentre du salon Computex. J'ai des preuves. Oh là là, la classe, le badge. T'es arrivé quand ? Ce matin. Ah oui, d'accord. Voilà. Tu dois être bien, bien frais. J'ai atterri à 8h. Oui, frais, oui. Bah là, voilà. En fait, pour moi, il est minuit. Enfin, un peu plus. Oui. Ça me fait un peu bizarre. Bon, alors, il va falloir que tu tiennes encore 10 petites minutes. Oui, c'est ça. Ça, c'est cool. Bon, le Computex, déjà. Peut-être expliquer ce que c'est, parce que, bon, on en entend peut-être parler, mais on ne sait pas trop. Qu'est-ce que c'est, le Computex ? Alors, le Computex, c'est un immense salon. On va dire un grand salon, plutôt qu'un immense salon. On va dire un grand salon. Donc, il se passe à Taipei, à Taïwan, donc, et qui ressemble à un espèce de mini IFA. Donc à Berlin, donc le salon électronique de Berlin, mais avec en plus toute une partie composants et puis de temps en temps des choses complètement dingues comme des boutons de machine à sous à LED, des bêtes serveurs, des ventilateurs pour serveurs. C'est tout, ben c'est un peu les dessous de tout ce qu'on a dans nos machines. D'accord. Qui peuvent être vendues. Et puis on a bon bah les grands, hein, y a Acer, tous les grands taïwanais. Si t'es un tantinet geek, c'est un peu le paradis. Ouais. On peut dire ça. On avait qu'à voir les photos postées sur le compte Twitter de 01net.com cette semaine. Là. Pas mal envoyé, des choses de ouf. Alors notamment, on commence par quoi ? Ce que vous voulez. Peut-être par ces sacs à dos de réalité virtuelle. Moi, ça m'a bien fait triper ça. Ouais. J'en ai vu deux. Alors grosso modo, Zotac et MSX sont deux marques de composants et aussi de systèmes, donc c'est-à-dire de PC tout fait, sont partis du principe qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle a un petit problème, c'est qu'on est attaché à un PC pour en profiter, oui, au moins avec le HTC Vive, puisque Oculus pour l'instant on ne bouge pas tellement avec, mais avec le Vive on bouge. Et donc ils se sont dit, oh, franchement c'est trop bête d'être enchaîné, pour vivre pleinement l'expérience, il faut pouvoir être libre de ses mouvements. Donc ils se sont dit, on va mettre des PC dans des sacs à dos. Et puis on va connecter le casque à ce sac à dos et puis la personne sera complètement autonome. Voilà, en tout cas libre de ses mouvements, beaucoup plus libre qu'on l'est avec un PC. Donc il y en a deux, donc il y a le Zotac et le MSI. Le Zotac est un sac à dos dans lequel il y a un PC et le MSI est un PC en forme de sac à dos. Un PC en forme de sac à dos. Voilà, on va dire ça comme ça parce qu'il est très rigide. Il fait penser à des sacs à dos de motard, hein, typiquement. C'est très rigide. Je les ai essayés. C'est pas un peu lourd, non ? Alors, celui des Messi est un peu lourd. 5 kg pour l'instant pour le prototype. Ils espèrent 4,5 kg à la sortie. Celui de Zotac est un petit peu plus léger puisqu'on a un vrai sac à dos, en fait, hein, quasiment, avec le PC intérieur. Et là, on est aux alentours de 4 kg. Mais donc là, il y a tout ce qu'il faut, la batterie, en fait, c'est les composants d'un ordinateur portable. Ah, il y a un vrai il y a des vrais ordinateurs de bureau. Ah oui, donc des tours avec des cartes graphiques de folie. Voilà, c'est ça. On ne doit pas avoir froid au dos. Alors, ça va, on est plutôt bien, on transpire un petit peu. Mais c'est sur batterie. Ah ouais. Alors, des grosses batteries qui, alors, selon les dires de leur géniteur, peuvent permettre à l'ensemble de fonctionner entre 1h et 1h30. D'accord, ce qui est déjà pas mal. Hein, alors ce qui est déjà pas mal, moi j'ai pu faire qu'une démo de 7 minutes à chaque fois. Pourquoi ? Mais, parce qu'on était limité en temps. Le sac à dos, voilà, c'est ça. Oui. Mais j'ai pas vu à aucun moment, pourtant je vais rester un petit peu à fureter, à aucun moment je les ai vus recharger juste derrière une session. Voilà. Donc c'est pas mal. Recharger de temps en temps, mais pas juste derrière une session. Tu sais qu'on avait vu ça aussi à Laval Virtual. Ouais. Voilà, il y avait ce concept de sac à dos avec tout ce qu'il faut pour être autonome en réalité virtuelle. Mais alors ça va être commercialisé ? Ça va être commercialisé. Ils ont tous les deux l'ambition de le sortir, hein, ça c'est clair. Et MSI, Zotac, etc. Alors pas de prix, pas de date de disponibilité, mais en tout cas, bon, à demi-mot, on nous dit que peut-être que d'ici la fin de l'année, on pourrait peut-être commencer à avoir des vrais échantillons un peu exploitables. À noter aussi que HP, dans les rumeurs, pourrait aussi en sortir. Ah oui. Voilà. D'accord, donc c'est un truc à la mode. Et puis c'est un truc tellement geek.
Enfin, franchement, en termes d'image pour un constructeur, c'est chouette d'avoir un truc comme ça. Première innovation que tu as vue pour nous, quoi d'autre? Asus aussi a mis le paquet cette année. Alors Asus, présentation. Tout à fait. Ils jouent à domicile. Tout à fait. Un peu comme Acer, un peu comme MSI, un peu comme Gigabit. Toutes des entreprises taïwanaises et qui sont la fierté finalement de cette île. Asus, un robot, on va faire vite. Le Zenbo. On peut parler déjà sur 01 TV. Il y a une vidéo que vous pouvez retrouver. Le Zenbo. Il est mignon, le Zenbo. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est vraiment. Tu l'as vu de près ? Je l'ai vu de près, comme de là où je suis à la caméra qui est devant moi. De relativement près. C'est vraiment mignon. Ça fait très abouti. Ça fait pas gadget. Ça marche. Parce que c'est vrai que là, les vidéos qu'on voit, on se dit, est-ce que c'est pas un peu scénarisé, Je vais être très honnête. Moi, j'ai assisté à une présentation devant le public. Il y a des moments où Zenbo réagissait pas aussi bien qu'il l'aurait dû. Mais c'est un peu l'effet démo, mais on va dire qu'à 80% du temps, c'était quand même assez intéressant. Il est opérationnel et sacrément fonctionnel. Voilà, rappelons que c'est une espèce de Siri sur roulette. C'est ça. On peut lui faire beaucoup de choses. Il peut allumer la télé dans la maison. Voilà. Il peut raconter des histoires aux enfants. Il peut, y a un malaise, il peut contacter les gens, les proches automatiquement et via ses caméras montrer dans quel état est la personne, si elle est sur le flanc, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais c'est encore un stade de développement. Il peut pas vider la vaisselle, faire le café. Enfin, en tout cas, pas encore. Ça c'est sûr. Bon, $600 on a dit. Alors 600$, ça c'est le prix que Asus. C'est pas cher. Alors c'est pas cher cher et pas cher. C'est pas cher en fait, je pense qu'on peut voir ça. Et d'ailleurs, le CEO d'Asus, Johnny Shi, le présente comme ça. Pour lui, Zenbo, c'est le IIPC de la robotique. Donc le IIPC, on rappelle, c'est un netbook. C'est Asus qui a lancé en premier. C'était des petits PC à 300€, voire même en dessous. Pour eux, c'est un des forts leviers de croissance, c'est la robotique. Et je vais vous faire un pont là en or, et c'est aussi la téléphonie. Magnifique. Bravo. Mais même jet lagué de folie, il est toujours présent, Émeric Siméon, bravo. Formidable. Donc téléphonie justement. C'est ça. Donc il y a trois Zenfone qui sont sortis, les Zenfone 3. Voilà. Les Zenfone. Zenfone 3. Donc c'est Asus, ressemble à toujours. Les iPhone, là c'est Zenfone. Zenfone. Donc Asus toujours, trois modèles, classique, deluxe, ultra. Alors a priori, seul le classique et le deluxe se destinent pour le moment à arriver dans nos contrées. D'accord. Et ils arriveront normalement entre septembre et octobre. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de vraie date de dispo officielle. C'est un smartphone comme on en trouve des palettes entières partout ou il y a des petites spécificités? Alors il y a vraiment des petites spécificités. Moi, j'ai pu les approcher tous les trois. Alors déjà, c'est des smartphones à grand écran. Donc 5.5, 5.5, 5.7, 6.8. 6.8, c'est grand. Ultra 6.8, Tous fonctionnent. Ils adorent ça en Asie. Ils adorent ça. Les pelles à tarte, c'est ça. Mais c'est surtout pour regarder du contenu dans les transports, parce que qu'est-ce qu'on s'embête. Parce que rappelons qu'ils ont de la 4G là-bas. C'est ça, et puis la 4G, puis plutôt bonne. Pour l'avoir essayé pendant quelques jours à Taïwan, ça marche plutôt bien. Ça marche bien. Voilà, donc la particularité, c'est que, a priori, le prix d'appel, donc en tout cas pour le classique, qui sera en 32Go, 3Go de mémoire vive, c'est $249. Ah oui. Donc ça fait très très mal. À l'intérieur, on a du Snapdragon, on a tout ce qu'il faut. Ça fait un package avec le robot. C'est ça, Et le Deluxe est vraiment très beau et très surprenant, très léger pour un téléphone de cette gamme-là. Et il coûtera aux alentours de $500 dans sa version 6Go de mémoire vive, 64Go de stockage. Et c'est le dernier Snapdragon 820 qui est à l'intérieur. Donc ça va dépoter. Et un écran Super AMOLED. Voilà, donc super. Ça arrive presque, ça va sortir. Oui, voilà. Et ça arrive, je vous ai dit, octobre-novembre. A priori, on va les revoir vraiment à l'IFA avec des prix en euros à l'IFA. D'accord. Voilà. Ils ont du mal à sortir des téléphones en France, jusqu'en ma main. Ils ont du mal, mais paradoxalement, en 2 ans, c'est 30 millions de téléphones vendus. Dans le monde. Dans le monde. Oui, bien sûr. Quoi de neuf aussi au Computex? Quoi de neuf, je sais pas moi. Qu'est-ce que tu as en rayon? Qu'est-ce que j'ai? Il n'y avait pas des tablettes aussi, non? Alors il y avait Transformer 3 Pro et Transformer 3. Transformer 3 Pro et Transformer 3. D'accord. Surface Like pour la Transformer 3 Pro, très clairement. Asus dit que la sienne est mieux, forcément, on va pas dire qu'elle est moins bien. Étonnant. Voilà, un peu moins cher aussi, un très très beau Zenbook, le Zenbook 3 Killer, qui va a priori faire beaucoup de mal au MacBook 12 d'Apple. Voilà, à partir de $999. Très joli. Beaucoup de mal. Ah, a priori, il va lui faire beaucoup de mal. Allez, vas-y. Non. L'Apple Boy fan. Non. Il n'y a pas de macOS. Il n'y a pas de macOS à l'intérieur, mais à l'intérieur, il y a des vrais processeurs. Il n'y a pas un simple Core M. Il y a des vrais Core i5, Core i7. C'est super Windows 10. Voilà.
Et puis il y avait des machines aussi de joueurs. Et j'ai ramené plein de photos voilà, dont on va essayer de faire un maximum de choses, notamment de modding PC qui est revenu très à la mode. Et ça sera à découvrir tout ça, bien évidemment, le récit de son voyage à Taïwan au Computex, très vite sur zeronet.com. Très vite sur zeronet, oui. Aymeric Siméon, merci beaucoup. Je vous en prie. Super. En tout cas, écoute, tu étais en pleine forme, malgré le décalage horaire. C'est ça. Derrière, tu as un canapé, si tu, veux dormir, il y a pas de souci. Un petit peu, entre deux échanges. Voilà. Puis on va baisser la lumière, parce que là, ouais, ce sera sympa. Après, ouais. Comme dans l'avion, pareil. Voilà. C'est ça. Merci, Mike. La réalité virtuelle est-elle l'avenir des retransmissions sportives? Question 01net orange du jour. Notre sondage, regardez ce que ça donne. On n'y est pas encore à la réalité virtuelle. Oui à 48%, mais non à 52%. C'est quand même assez partagé. Hein. Voilà, on en reparlera dans quelques années. En fait, c'est Bernard Fontaine qui vote oui depuis tout à l'heure. Oui, parce que forcément, le pauvre, il défend son truc. Plusieurs fois. Non. Eh bien voilà, ce 01 Live Hebdo est terminé depuis Roland-Garros. On remercie encore une fois France Télévisions. Oui, absolument, qui nous a accueillis gentiment. Ici au RG Lab, qui est donc, on le rappelle, un espace public. Tout à fait. Si vous êtes de passage à Roland-Garros, voilà, toute la semaine. Il faut un peu montrer patte blanche pour entrer dans l'enceinte, mais après, vous pouvez venir faire un tour ici et découvrir. Vous pouvez venir de notre part, il n'y a pas de souci. Toutes ces innovations, oui, voilà, on serait bien reçu. Vous recommandez de François Sorel. Et puisqu'il il n'est pas encore complètement grillé, non, malgré ses prestations lamentables sur la plage de Copacabana. Non, non, tu ne vas pas ressortir ça. Non, JD, vous n'allez pas ressortir JD, ça quand même. J'aimerais bien revoir la salsa du démon. Non, ça, c'est pas sympa. S'il te plaît, est-ce que c'est possible de remontrer? Moi, je trouve que c'est pas gentil. La salsa de François Sorel. Et puis, ce qu'il y a de bien, quand vous venez, si vous venez au RG Lab, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est abrité. Donc vous, il la cherche. Vous n'aurez pas de... Ah, voilà. Non, attendez, franchement, c'est pas la classe à Las Vegas. Ah, j'adore. Ouais. J'adore. C'est formidable. Ah, mais toi aussi, t'es pas mal. Tu fais moi le malin, là. Ouais. Et voilà. Voilà, c'est nos talents cachés. Exactement. Bon, merci de nous avoir suivis. Merci à Jean-David Duarte qui était aux manettes, vous l'avez compris, à Florian Beaufreton et Pierre Thiolin en backup dans les studios. Et puis, merci à toi François, tiens, c'est sympa d'être passé. Merci. Le replay de ce Zéro à la Vibe de très vite, à la fois sur Dailymotion, sur Zéro Net TV et sur YouTube. Tiens, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime sur la page de Zéro Net TV. Et on se retrouve bien sûr dès demain pour toute l'actualité high-tech. Portez-vous bien, bonne soirée. Salut à tous.